Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Deauville hein, ce week-end, en compagnie bien entendu des galopeurs. Un week-end qui est totalement consacré à l'hippodrome de Deauville avec dès samedi un quintet sous forme de handicap, bien entendu le prix de Saint-Sénery, le géré, troisième course de cette première réunion qui est prévue à 15h15. Un handicap, comme je l'ai dit, disputé sur la piste en sable fibré, 1400 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. On a fait le plein de partants, 16 concurrents au départ sur ce parcours atypique dans lequel le tournant arrive très vite. Donc être bien placé dès le départ ou dans les stalles de départ, c'est vraiment un avantage non négligeable. Et c'est pour ça que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, Bulace. C'est un cheval qui, depuis qu'il est arrivé sur notre sol, est irréprochable quasiment. C'est vrai qu'il a été orienté dans cette catégorie il y a quelques semaines. Et bah écoutez, ça s'est super bien passé. Il a couru 3 quintés pour 3 accessites. Dernièrement, il a enfin trouvé son jour dans un handicap du côté de Longchamp, je crois que c'était durant le week-end de l'Arc, donc un cheval qui est en forme. Maintenant, il a été pénalisé de 2,5 kg, mais je pense qu'il est encore capable de bien faire. Hein. Il est pris en 40,5 désormais, il a fait ses preuves sur la piste en sable de Deauville. Regardez, on a une course référence le 27 août où il terminait deuxième d'un quintet sur un parcours à peu près similaire, hein. C'était 1500 mètres, là c'est 1400 mètres, donc voilà, c'est pas les 100 mètres qui vont le déranger. Il a un très bon numéro dans les salles de départ, c'est vraiment un atout indéniable sur ce parcours, je l'ai dit. Et avec Christophe Soumillot qui le connaît parfaitement, il a vraiment tout pour plaire. Et même s'il a pris 2,5 kg, je pense qu'il est encore capable de réaliser une performance de très bon acabit. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 2 Zoom. Alors Zoom, c'est l'X de la course. Pourquoi? Parce que c'est un poulain de 3 ans qui affronte ses aînés pour la première fois. Il débute dans cette catégorie, il débute sur une piste en sable fibré. Il n'a pas été revu depuis le mois de juillet, donc vraiment pas mal d'inconnus entourant sa candidature. Maintenant, ce qu'il aura pour lui, c'est déjà d'être entraîné par un homme habile. Il a un très bon numéro dans les stalles de départ, il court bien sur sa fraîcheur. Voilà, dernière performance en juillet, c'était une quatrième place dans une listed, c'est quand même pas rien. 60 kilos, je trouve que c'est pas finalement si énorme que ça pour un premier handicap, même si bon, ça reste toujours 60 kilos à porter pour un poulain de 3 ans, c'est jamais simple. D'autant qu'il affronte ses aînés qui sont plus expérimentés. Mais j'aime bien sa candidature. Je pense que si André Fabre a décidé de l'orienter dans cette catégorie, c'est qu'il le pense capable de bien y faire. Et moi aussi j'y crois et je l'ai retenu donc en deuxième position. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7, Petit Pedro. Petit Pedro, c'est avant le coup la bonne base au départ de ce quintet. Hein. C'est un cheval qui ne déçoit jamais. Regardez cette musique. Il a remporté en plus son quintet en début d'année sur un parcours quasiment similaire. C'était 1300 mètres sur la piste en sable fibré de Deauville. Depuis, il a eu un petit break. Deuxième pour son retour en piste. Quatrième ensuite par la suite. Dernièrement, c'était également une petite rentrée. Hein. C'était une des courses références. Regardez, c'était où ? C'était ici, voilà, le 7 octobre, une petite course de rentrée, c'était la même distance, 1400 mètres, sauf que c'était sur l'hippodrome de Chantilly, sur la piste en sable. Il était battu certes par trois concurrents qu'il retrouve, mais je pense qu'il avait également besoin un petit peu de courir. Là, il revient dans une catégorie dans laquelle il est compétitif. J'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ, je vous le cache pas. Maintenant, c'est un modèle de régularité qui est courageux, qui est capable d'adopter toutes les tactiques. Et je pense que cette maniabilité, justement, ça peut lui servir et lui permettre de terminer sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 4, Deep Hope. J'ai pris un petit risque avec Deep Hope. Pourquoi ? Parce que regardez ses performances, tout simplement, c'est pas reluisant. Maintenant, il adore les pistes en sable, il adore cette période de l'année. D'ailleurs, l'an passé, à même époque, il a aligné les victoires, vous le voyez, hein, fin d'année 2022. C'était assez impressionnant le nombre de victoires qu'il a enchaînées. Maintenant, voilà, faut voir ce que ça va donner à cette valeur. Il a fait l'arrivée de quintet avec un kilo en plus cet été. Du coup, le fait qu'il soit un peu plus, un peu mieux placé hein, sur l'échelle des poids, c'est un avantage. Tout comme ce numéro 4 dans les stalles de départ. Et voilà, l'aptitude à la piste en sable, c'est un avantage à prendre également en considération. Et pour moi, il est capable de refaire surface dès ce samedi. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu la Girouette. La Girouette, le 14 Holyoke. Regardez ce manque de régularité. C'est assez impressionnant. Alors, il y a 2 mois, il avait terminé deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp. C'était d'ailleurs sur la même distance. Hein. C'était où ? C'était début septembre. Voilà, c'était le prix de la galerie des variétés. Il battait Toijk. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire à cette valeur. C'est pas le problème. Ça doit être un petit peu dans sa tête le problème. Il a un bon numéro dans les stalles de départ. Il a déjà fait ses preuves sur les pistes en sable.
Attendez, c'est un cheval qui a quand même fait l'arrivée en 44 ou 43 de valeur. Là, il est en 37. Franchement, on ne peut pas rêver beaucoup mieux hein, avec une telle valeur en bas de tableau. Moi, j'y crois. Je pense qu'il est capable de redorer son blason. Va falloir qu'il me rassure également un petit peu. Mais le vrai Holyoke, il a normalement les moyens de terminer même mieux que 5e où je l'ai retenu. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu là ce Shining Ocean, un cheval qui a remporté son quintet au printemps. C'était sur la piste en sable de Chantilly, 1600 mètres. 1400 mètres, c'est pas un problème. Lui aussi a parcouru, a pris part à des courses références, notamment ici, voilà, c'était le 27 août, hein, derrière Bulace. Il terminait 4e. Déjà, il avait le numéro 16 dans les salles de départ. Du coup, le fait qu'il ait ce numéro exécrable, bon, certes, c'est un désavantage, mais il a prouvé qu'il était capable, malgré tout, de s'en sortir avec un tel numéro. C'est pour ça que je le retiens en 6e position. Alors bon, faudra quand même que ça se passe bien, comme je l'ai dit, mais si c'est le cas, attention à lui. Dans les 5 premiers, il est capable d'y figurer. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 3 Hotspot qui vient de redorer son blason. Hein. Dans une course à référence, on l'a vu, il a battu à peu près tout le monde. Enfin, tout le monde. La plupart des concurrents qui sont au départ, Teheran, Central Park West ou encore Petit Pedro. C'était le même parcours, 1400 mètres, mais c'était sur le sable de Cantilien. Donc, lui, il adore les pistes en sable. On le voit souvent venir en région parisienne ou alors en Normandie pour courir des quintés. Ça s'est pas forcément bien passé cet été, mais moi, je le reprends en confiance. Et il a un bon numéro dans la stalle de départ. La dernière fois qu'il a couru et qu'il a terminé 14e dans un quintet, il y a eu un train de folie et c'était vraiment très difficile. Je pense que là, ce sera peut-être pas le même rythme et ça va certainement jouer en sa faveur. Toujours est-il que moi, je vois une chance pour une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 11 Innovator. Dernièrement, c'était une piste en gazon. Faut pas le condamner là-dessus. Il avait vraiment été sensationnel cet été sur le sable d'Auvillers en enchaînant 2 victoires dans les handicaps. Du coup, il a été largement pénalisé, mais je pense qu'il a encore un petit peu de marge. Alors, sa dernière sortie m'a refroidi, mais je vous l'ai dit, c'était pas sa piste de prédilection. Le fait de revenir sur une piste en sable, ça va jouer en sa faveur. Il associe à Stéphane Pasquier. Moi, je rachète, mais plutôt pour une petite place. Et enfin, en cas de non-partant, j'ai retenu le 16 Teuchk. Alors, Teuchk, voilà, c'est pas extraordinaire cette année, mais il compte quand même une 5e place cet été sur ce parcours dans un quintet. Donc, je me dis que avec un bon parcours, bon, numéro 14 dans les salles de départ, c'est pas la folie, mais je me dis qu'avec un bon parcours, il est capable, pourquoi pas, de prendre une 5e place, mais avant le coup, mieux, ce sera difficile. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, Bulace, que j'ai retenu en tête devant le 2, Zoom. En 3e position, le numéro 7, Petit Pedro. Devant le 4, Deep Hope, en 4e position. Le numéro 14, Holyoke, en 5e position. Devant l'As, Shining Ocean. Le 3, Hotspot. Et en 8e position, le numéro 11, Innovator. Et en cas de non-partant, le numéro 16, Teuchk. En conseil de jeu, bah écoutez, je vous l'ai dit, Bulace, pour moi, c'est la très bonne base. C'est un cheval qui a remporté un handicap récemment, mais il a encore de la marge, à mon sens. Le 2 Zoom, je le conseille en base, oui et non. Pour moi, c'est un cheval qui est capable de bien faire à ce niveau-là, j'en suis convaincu, même si il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent sa candidature. Moi, j'y crois vraiment dur comme fer, c'est pour ça que j'ai retenu aussi haut. Donc, à mon sens, si je le retiens aussi haut, c'est qu'on peut le prendre en base. Et puis, le numéro 7, Petit Pedro, lui, pour le coup, c'est vraiment une vraie base, une bête à quinter qui a fait ses preuves à ce niveau-là, à cette valeur, et sur ce tracé quasiment. Donc, pour moi, j'y crois vraiment également beaucoup, 6, 2 et 7, mes 3 bases dans ce quintet. On va faire un petit tour du côté du quintet de ce jeudi, hein, le lancement du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Le numéro 11, Galil Gauthier, qui remporte le premier quintet des festivités devant le 6, Gold RP, très belle fin de course, tout comme le 7, Girl de Bassière, sa compagne de boxe. Le 14, Fanatic Flash, il a très bien couru, faudra le reprendre sur plus court à mon avis, même s'il a très bien couru, hein, 4e c'est très très bien. Et puis le 5, Gaïa Dokken, qui était vraiment pas attendu à Paris Fête, 2e atout de Jean-Philippe Rave, Joe et Claire Gold, 6e devant le 9, Jibus, déception avec Jimmy Dupombreux ou encore 50 Black qui s'est montré pour sa part fautif en pleine. Du côté de Norvège, regardez, top prono qui vous indique tiers écarté, mais tiers et ordre et quart et ordre, hein, près de 1 500 € pour le quart et ordre, très beau début de mois de la part de top prono, hein, turf sélection qui vous indique tiers et écarté, c'est déjà pas mal, mais en tout cas, nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 € par mois, profitez-en, on est en début de mois, 1 € par mois, c'est... Premier mois, c'est sans engagement. Voilà, vous pouvez tester. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, tout comme vous avez le lien pour notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous apprendre à faire le papier comme un pro, un accompagnement personnalisé. Ça aussi, c'est un deuxième lien qu'il fallait que je vous conseille parce qu'il vaut vraiment le coup. Donc, voilà pour ce
ce récapitulatif. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera de nouveau l'hippodrome de Deauville. Ce sera une nouvelle fois la PSF, mais ce sera 1900 mètres avec un handicap de classe 1 qui promet un très beau spectacle. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.